Alors effectivement, HEM a été créé en 1988 par Abdelali Ben Amour. Donc on fête cette année notre 30e anniversaire. Alors comment décrire HEM? En fait, je n'ai pas envie de vous donner une réponse banale, parce que pour moi, pour nous, un établissement d'enseignement, c'est bien plus que des infrastructures aussi belles soient-elles, des tables, des chaises, des tableaux. Pour nous, un établissement d'enseignement, ça doit d'abord être une philosophie, un état d'esprit. Et je pense que HEM a un état d'esprit qui est unique. Est-ce que vous saviez, par exemple, que depuis la création de notre école, les activités parapédagogiques, telles que le chant, la danse, le théâtre, l'art plastique, le sport, etc., étaient et sont toujours obligatoires en première année et notées? Donc, voyez-vous, c'est un état d'esprit où, depuis le départ, nous avons pour objectif de former non seulement des étudiants qui ont des compétences techniques, mais aussi de leur octroyer un certain niveau de culture générale, d'épanouissement personnel, de développement personnel. Et ça, c'est très très important pour nous, pour le monde de l'entreprise également. Donc tout ça enrobé aussi dans un esprit d'éthique, de sérieux, de rigueur. HEM a été la première école à faire un concours, elle l'a toujours, et un vrai concours, enrobé dans un esprit d'envie, de partage du savoir, du développement de la connaissance. Et donc, partant de là, eh bien, il se passe toujours quelque chose à HEM. Comme on dit, the school that never sleeps. Il y a toujours une conférence débat avec des experts de haut niveau. Si ce n'est pas une tribune libre, ça sera une rencontre trait d'union pour les étudiants. Ça sera une battle dance avec des jeunes lycéens. Un concours de chant, une compétition de joutes oratoires, un concours de philosophie, etc., etc. Donc, tout ça, c'est l'état d'esprit de HEM. Et il y a aussi un dicton qui me tient à cœur qui est le work hard, play hard. Et c'est un petit peu ça aussi, HEM, très sérieux, très rigoureux, mais aussi du suivi, du partage de la connaissance et de la bonne humeur. Voilà. Alors effectivement, l'annonce a été faite il y a quelques jours. Le groupe HEM, dans son ensemble, a été reconnu par l'État. Oui, nous sommes évidemment contents. C'est une reconnaissance de nos pairs, notamment de notre ministre et des différents présidents d'universités publiques qui ont donc accepté en séance de reconnaître le groupe HEM. Donc ça nous fait très plaisir. On va dire que cette reconnaissance vient confirmer la qualité de HEM, la qualité de ses programmes existants depuis 30 ans maintenant. Il vient aussi confirmer une reconnaissance qui était déjà là de par notre environnement, la reconnaissance du monde de l'entreprise, du monde économique, la reconnaissance de nos partenaires internationaux, la reconnaissance de l'opinion publique. Donc c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Alors, l'université citoyenne en est en effet à sa 21e édition. En fait, c'est un cycle de séminaires pluridisciplinaires ouvert à tous et à toutes, sans aucun prérequis et gratuitement. Donc, c'est l'école pour tous, c'est la formation pour tous. Les séminaires pluridisciplinaires ont trait à trois, je dirais, chapitres ou trois types de séminaires. Vous avez des séminaires liés au management et à l'économie, des séminaires liés à l'activité pensée et société, et des séminaires liés à institutions et vie politique. Et donc ces séminaires-là, ce cycle d'université citoyenne, nous les faisons simultanément, c'est la Fondation HEM qui les porte maintenant. Ils ont lieu simultanément dans 8 villes du Maroc, à Casa, à Rabat, Marrakech, Tanger, Fès, Oujda, Tétouan et Agadir. Donc c'est vraiment une grosse machine portée par les différents campus HEM sous le chapeau de la Fondation. Et c'est un peu le partage du savoir dont je parlais tout à l'heure. Cette année, j'ajouterai juste que nous avons une édition spéciale, en plus des 8 de l'Université citoyenne, qui est spéciale enseignant, que nous faisons avec notre partenaire, le mouvement associatif Les Citoyens. Ce n'est pas de la formation continue pour les enseignants, c'est des séminaires d'accompagnement, pareil, pluridisciplinaires, à 3 niveaux. Au niveau de culture générale, au niveau développement personnel de l'enseignant lui-même, on parle des enseignants du secondaire en particulier, et au niveau des bonnes pratiques et partage des bonnes pratiques pédagogiques. Donc nous avions envie aussi de faire ce cycle-là vis-à-vis de cette cible d'enseignants dont on ne peut pas être indifférent, surtout en tant que professeur et établissement d'enseignement supérieur. Et voilà, nous avons eu cette année plus de 6 200 inscrits sur notre site internet et nous allons octroyer près de 700 certificats d'auditeurs parce que je ne l'ai pas dit, il faut le savoir. Lorsqu'on a
assiste à 80% des séminaires, c'est-à-dire 7 séminaires sur 9, parce qu'il y a 9 séminaires dans chaque cycle, eh bien on a le droit symboliquement à un certificat d'auditeur. Pour certains, c'est le premier diplôme de leur vie, pour d'autres, non. Et en tout cas, ça fait chaud au cœur de voir des centaines de personnes marocaines et non marocaines qui sont venues juste comme ça, sans qu'on les oblige, pour apprendre et pour développer leurs connaissances. Ça fait chaud au cœur. Alors, au niveau de l'université citoyenne particulièrement, et donc de la fondation, nous comptons réitérer les 8 cycles d'université citoyenne à travers le Maroc. Pour l'université citoyenne spéciale enseignant qu'on a fait sur Casablanca dans un premier temps, on aimerait l'étendre à d'autres villes. Maintenant, pour le groupe HEM dans son ensemble, vous savez, je le dis pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons un nouvel établissement depuis 2 ans maintenant à Tanger qui s'appelle MedMétiers, l'Institut supérieur des métiers industriels, qui est un complément. Au niveau modèle, c'est complémentaire à celui de HEM, c'est pour former des middle managers, c'est un bac plus 3, c'est accès métier, c'est moitié prix d'HEM. C'est un peu l'idée de démocratiser l'accès à un enseignement supérieur de qualité. MedMétier qui existe aujourd'hui à Tanger, nous avons pour objectif à moyen terme de le développer dans d'autres villes du Maroc, voire du continent. Pour HEM, développement régional qui continuera en temps voulu également. Et bien évidemment, à HEM, cette remise en cause incessante de nos programmes pédagogiques pour coller aux besoins de ces jeunes qui nous arrivent et qui sont ce qu'on appelle la génération Z ou Millennium. Et on ne peut pas non plus rester à enseigner comme ce qu'on faisait avant. Il y a toujours une remise en cause permanente. Et ça fait partie de notre ADN. On continuera à le faire.